Bonjour à tous. Alors, comme je vois que le sujet de l'ésotérisme vous plaît beaucoup, je vous propose un corpus. Ce corpus est lié au vampirisme, puisque le vampirisme est devenu une religion avec le temps. Et croyez-moi, cette religion a toujours existé depuis les temps anciens. Alors, le corpus que je vous propose, déjà, c'est de découvrir le livre de Nod. Le livre de Nod. Ce corpus, ce texte donc explique comment Cain, le premier vampire de l'histoire, a vécu et il en parle selon son témoignage à lui. C'est la première fois qu'on a des écrits de Cain. Cain n'a pas laissé de traces dans la Bible. Ce sont d'autres prophètes qui s'en sont chargés. Donc on a un corpus de Cain. Ensuite, on a le codex Compendium. Alors bon, c'est un traité sur le vampirisme écrit par Bracca el Nathanos. Alors ce codex, pour résumer, il explique que la manière de devenir vampire est une manière rituelique. C'est-à-dire que c'est un rituel que l'opérant procède pour pouvoir devenir ensuite un vampire. Et enfin, le plus connu, le Necronomicon, Liber Septimus, c'est le livre le plus connu sur le vampirisme qui décrit les secrets de l'immortalité de l'âme et du corps.